Coucou à toi, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. C'est super important. Clique sur la cloche afin de recevoir les notifications car comme tu le sais, je publie sur cette chaîne assez régulièrement et il n'y a pas que des recettes de cuisine, il y a des vlogs de voyage, des recettes de beauté, des conseils pour la maternité ou la parentalité. En fait, je fais plein de choses et dans la simplicité. Ici, c'est une recette santé au-delà d'être une recette très bonne avec des pieds de bœuf ou des pattes de bœuf. Donc, on va démarrer et tu vas bien rigoler. C'est parti! Attends, attends, comme ça, non, il fallait faire avec ce couteau. C'est lui qui est plus tranchant. Lui, là, il est pas tranchant. Voilà. Ça, c'est Monsieur Miam Miam qui me coupe les. Tu as vu? Ce couteau-là, il est beaucoup plus tranchant. Bon, on va découper. On a nos pâtes, notre belle pâte de bœuf ou pied, notre pied de bœuf. Monsieur Miam Miam coupe parce que sincèrement. Je ne suis pas assez forte pour couper ça. C'est lui généralement qui fait la coupure des pattes de bœuf. Bon, bien sûr, le boucher a déjà coupé. Il faut juste faire la finition. Donc, on va couper. On va bien laver et tout. Et on va démarrer la recette. Donc, j'espère que vous restez jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous. C'est super important. Les pattes de bœuf ont été découpées. Ici, on a donc du poivre noir. Ok, voilà. C'est du poivre noir. On aura quelques clous de girofle. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Oh, je crois qu'on ne voit pas. Ok, là, c'est bon, on voit. Quelques clous de girofle comme ça, ok. Après, si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Hein. De l'ail, ok. Du gingembre, il nous fallait du gingembre comme ça. Vous avez vu, c'est un gros pouce. Vous voyez, il a la taille de mon pouce, le gingembre. Comme ça, deux oignons, mais je vous dis, un sera mixé avec ça et un autre sera découpé avec la tomate. Je mets ici, ok. Ça, ce sera mixé avec ça, et ce qui ne sera pas mixé, donc ce sera la tomate qu'on mettra avec cet oignon-ci. Donc là, j'ai trois tomates. J'ai trois autres, ça fait 6. Et ici, j'en ai 8. Bon, vous pouvez mettre aussi 10 tomates complètement. Donc ici, c'est ce qui ne sera pas mixé. Et vous mettez beaucoup de basilic. Beaucoup de basilic. Ça, c'est là. Et voilà. Donc, ça, c'est globalement ce qu'il nous faudra. Il nous faudra aussi du poivre. Non, pas du poivre. Il nous faudra du thym. Il nous faudra du thym sauvage. Je vais voir si j'en ai encore au congélateur. Parce que des fois, j'en achète et je congèle. Donc, si j'ai le thym dans la recette, vous allez me voir mettre du thym. Donc, voilà. Donc, globalement, voilà tout ce qu'il vous faut. Donc, considérez que tout ce qui est là va être mixé. Donc, cet oignon, le poivre noir. Clou de girofle, vous n'êtes pas obligé de mixer le clou de girofle, vous pouvez jeter directement dans la casserole, mais moi je vais mixer. De l'ail, si vous pouvez mettre encore beaucoup plus d'ail, je crois que moi je vais rajouter la quantité d'ail. Du gingembre, voilà. C'est tout. Si vous voulez mettre du blanc de poireau, mettez-en. Moi je ne vais pas mettre, je veux que la recette soit assez basique. Donc voilà, on va démarrer. Donc là, mes pattes de bœuf, je les ai bien lavées. Là, je vais rajouter de l'eau. Regardez, j'ai lavé avec cette éponge que vous avez vue. Mais vous pouvez laver à votre manière avec de l'eau tiède, du citron et tout. Je me suis même coupée un peu en lavant.
Parce qu'en fait, il y avait un peu de poils qui étaient restés quand le boucher a fumé. En voulant retirer ces poils, ben, je me suis brûlée. Voilà. Hein. Non, pas je me suis brûlée, je me suis légèrement coupée. Donc, ici, je vais rajouter du sel. Je vais mettre des petits trucs. Mais franchement, c'est aléatoire. Faites comme vous voulez. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Du thym. En fait, c'est juste histoire que ça. Voilà, que les pâtes de bœuf cuisent avec des trucs. Moi, j'ai mis de l'ail, du gingembre, une tige de céleri et tout. Et je porte à ébullition rapidement à feu très élevé. Dès que l'ébullition commence, je baisse complètement le feu et je laisse à flamme très douce. Et ça va cuire à flamme douce peut-être pendant 1 heure, 1 h 30. Pourquoi? Parce que comme je vous disais en début de vidéo, c'est une recette santé. Et ici, vous me voyez rajouter ces feuilles de laurier. Et c'est une recette santé en fait. Ça aura l'avantage de cuire comme un bouillon d'eau, vous comprenez? C'est super important. C'est une recette santé au-delà d'être une recette de pâte de bœuf ou de pied de bœuf. Ça a des trucs vraiment importants pour votre squelette, pour le calcium, les sels minéraux et tout. Ici, je rajoute donc la tomate et voilà, les 8 tomates et l'oignon que vous aviez vu au début. Je laisse cuire une douzaine de minutes comme ça, à flamme élevée. Ensuite, je rajoute tout ce que j'avais écrasé comme condiment que je vous avais présenté au début de la vidéo. Je vous avais dit ce qui devait être mixé. Et bien c'est ça, je rince le bol du mixeur, je rajoute tout ça et tout, je mélange comme ça. Et là, je vais laisser encore peut-être une quinzaine à une vingtaine de minutes, ok? Ça me permet de laisser l'eau tarir, de faire que la tomate perde son acidité et que les condiments rajoutés commencent à perdre leur côté un peu cru, ok? Là, je vais donc rajouter mes pâtes de bœuf. Donc j'intègre mes pâtes de bœuf et puis je vais rajouter une partie du bouillon de cuisson, juste un peu. L'autre partie, je vais la mettre de côté parce qu'elle va me servir pour faire un autre repas. Là, j'ai rajouté encore des feuilles de laurier, je mets mon basilic. Vous vous souvenez du basilic que je vous ai présenté au début. Et ici, je vais donc laisser cuire tranquillement à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. À feu moyen, je vais recouvrir. Je peux encore saler, ça dépend de vous. Moi, j'ai choisi de mettre un petit cube d'assaisonnement, un petit bouillon d'assaisonnement. Mais c'est très facultatif. Vous savez que je n'en utilise pas beaucoup dans ma cuisine. Bon, c'est parti pour 15 à 20 minutes comme ça, à feu moyen, comme ça. Et voilà. Là. Vous voyez, c'est presque prêt. La maison est parfumée. Je vous disais que cette recette, au-delà d'être une très bonne sauce de tomate avec les pâtes de bœuf et tout, considérez que c'est une, voilà, c'est un bouillon d'os, mais c'est un bouillon d'os rapide. Allez regarder sur Internet les bienfaits du bouillon d'os. Et pour la qualité des os contenues dans les pâtes de bœuf, ça c'est un bouillon d'os, on va dire, rapide. Donc c'est une recette goûteuse, mais aussi c'est une recette santé. Qui va vraiment vous faire du bien à votre système immunitaire. Et vous avez vu, j'ai mis des choses vraiment bien dedans, des feuilles de laurier, de l'ail, du gingembre. C'est toutes des choses qui vraiment n'ont que des bénéfices pour votre santé. OK? Et vous allez voir que même en refroidissant, la sauce fait comme si elle durcissait en fait. C'est tout le collagène qui est contenu dans le bouillon d'os qui ferait cet effet-là. Donc, je vous laisse quelques photos. Nous, on a mangé avec des ignames. Vous pouvez accompagner de pommes de terre, de riz, de ce que vous voulez, ok? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est super important et super encourageant pour moi. Moi, déjà, je vous dis miam miam. Et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. N'oubliez pas, sur la chaîne, je présente beaucoup d'autres choses. Donc, abonnez-vous. Ciao!